Donc pour ce morceau, on va jouer un demi-ton au-dessus, ce qui va nous éviter de désaccorder la guitare. Alors on va commencer par la première partie. Donc ici on va décoder cette phrase. Donc on va placer notre index à la troisième corde à la 12e case. Ensuite, on place l'auriculaire sur la cinquième corde à la 15e case. Donc ce qui nous donne ceci. De cette position, on place l'annulaire sur la quatrième corde à la 14e case. En résumé, ensuite on place l'index à la quatrième corde sur la 12e case. Donc on en arrive ici. On place ensuite l'auriculaire à la sixième corde à la 15e case. On obtient ceci. Ensuite, on place l'annulaire sur la quatrième corde à la 14e case. Ensuite, l'auriculaire à la sixième corde sur la 14e case. Pour les trois dernières notes, on devra faire attention à ne pas laisser sonner les cordes. C'est-à-dire à ce niveau. En fait, la nuance ici, c'est qu'il va falloir relâcher la corde entre chaque note. Donc on évite de laisser sonner comme ceci. Ici, on n'entend pas la différence, mais en fait, avec la saturation, on entend une dissonance qui est vraiment très désagréable à l'oreille. Donc, au lieu de jouer, on essaye de contraster. Donc, si on laisse sonner, ça nous donne. Et si maintenant, on contraste. Alors, on va résumer ce qu'on a appris. Ensuite, on repart sur l'annulaire avec la quatrième corde, 14e case. Et on revient avec l'index sur la troisième corde, 12e case. On a appris notre première étape. En réalité, on ne le joue que deux fois. À ce moment-là, on arrive sur la deuxième partie. Très simple, puisqu'on va changer seulement notre première note. Donc pour la transition entre la première et la deuxième partie, on va faire ceci. C'est ici qu'on va se placer à la deuxième position. La difficulté ici, c'est qu'on va devoir déplacer l'annulaire d'une corde au-dessus, et ça assez rapidement. Afin d'obtenir ceci. La suite du jeu est pareille, donc première fois. Deuxième fois.
Ensuite, au lieu de repositionner l'annulaire, on va cette fois-ci placer l'index sur la quatrième corde de la douzième case. Ce qui nous donnera la troisième position. Donc d'abord, on va faire un petit résumé. Alors, deux fois la première position. Ensuite, deuxième position. Et ensuite, troisième position avec l'index, quatrième corde, douzième case. Il ne reste plus qu'à reprendre sur la première position.